lancement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte, privée de son dieu protecteur, vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. En cette fin de Chémou, la saison de la chaleur, il y a bien longtemps que l'Égypte n'a connu une telle sécheresse. Les réserves des greniers sont vides et la famine menace. Aussi, après ses 70 jours d'absence du ciel, la réapparition de Sotis, l'étoile sacrée annonciatrice de la crue du Nil, est attendue avec anxiété par tous les Égyptiens. J'ai un terrible pressentiment, Dédi. Voilà pourquoi je vous ai amené ici. Car si Sotis ne se levait pas, alors la crue du Nil n'aurait pas lieu. Et ce serait terrible pour l'Égypte. En tout cas, nous serons bientôt fixés. Non, mais notre petit pêcheur a l'air de tout savoir sur les étoiles. Honorable princesse, pour se diriger sur le Nil, même un modeste petit pêcheur doit en effet connaître le langage des étoiles. Alors, tu sais sans doute où Sotis va apparaître? Eh bien, à peu près en dessous de ton oreille gauche, en principe, si tu ne bouges plus. Papyrus a raison. Tu es très bien placé, Téti. Tu seras mon repère, ma visée. Par les dieux, Sotis, juste au moment prévu. Par Horus. Sotis, l'étoile de la crue est en danger. Le dieu maître d'Ombos l'a capturée. Désormais ma prisonnière, Sotis. La crue n'aura pas lieu. Famine, misère, désespoir et révolte vont s'abattre sur l'Égypte. Et bientôt, les deux terres seront sous le pouvoir du dieu maître Dombos. Y veiller sera ta mission, Azad. Je crois connaître un moyen de libérer Sotis, Seigneur. Un moyen périlleux, mais encore une fois, petit pêcheur, l'Égypte va avoir besoin de ton courage. Je suis prêt, Raouzer, mais comment retrouver Sotis? Et comment délivrer une étoile? Eh bien, c'est simple. Il suffit de suivre le même chemin qu'elle. Et pour cela, toi et moi devons trouver la porte des étoiles. Dites donc, vous deux, vous comptez vraiment que je reste là, les bras croisés, pendant que vous allez vous promener dans les étoiles? Au contraire, princesse. Mais chacun sa voix. Tu es la grande prêtresse d'Isis. Toi seule peux obtenir son aide. Et nous allons en avoir tous grand besoin. J'ai quand même du mal à imaginer comment cette barque va pouvoir nous amener là-haut. Regarde, petit pêcheur, c'est un très ancien papyrus. Il parle de la succession des jours et des nuits depuis le commencement des temps. Mais c'est Nout, la déesse du ciel? Oui, et les hiéroglyphes disent que chaque soir, elle avale le soleil pour le faire renaître le matin. La nuit, son corps brillant de 1000 étoiles forme la voûte céleste. Et cet arbre, Raouzer? C'est le sycomore sacré, l'arbre de Nout. C'est lui qui nous mènera jusqu'aux étoiles. Un arbre? Jusqu'aux étoiles? Il y a bien plus de choses sur la terre et dans le ciel que nous ne pouvons en imaginer, Papyrus. Mais dis-moi, Raouzer, si Sotis est prisonnière dans Ombos, nous allons aussi devoir franchir la porte d'Ombos. Sans doute, petit pêcheur. Mais alors, crois-tu que le temps est venu d'accomplir la mission que m'ont confiée les dieux et de libérer Horus? Qui sait? Peut-être. Thank you.
Mère de l'Égypte et des Égyptiens, créatrice de toute vie, écoute la prière de ta grande prêtresse. Aide les humains, guide-nous dans notre désarroi. Je t'ai entendue, princesse. Et voici ce qui doit être fait pour apaiser la détresse des hommes et susciter la bienveillance des dieux. Que ton père, Pharaon, marque solennellement son respect et son amour du fleuve sacré en avançant la cérémonie de la fiancée du Nil. Ce sera fait, déesse. Mais attends! Cela suffira-t-il? Et Papyrus, comment l'aider? Je me charge de tout, princesse. Papyrus! Nous sommes arrivés, Papyrus. Eh bien, ça n'est pas très accueillant. Et je ne vois pas de sycomore. Ah, le voilà. Approche, Papyrus. Cet arbrisseau, tu ne veux pas dire... Si, Papyrus, c'est l'arbre sacré de Nout, la porte des étoiles. Te moquerais-tu de moi, par hasard? Les fruits de Nout sont toujours aussi délicieux. Et un petit somme nous fera le plus grand bien. Frauser? Je te félicite. Je suis sûre qu'elle plaira à Happy, le dieu du Nil. En effet, princesse. Mais il faut se hâter. La cérémonie doit avoir lieu au lever du soleil. Tu peux rassurer mon père, grand vizir. La fiancée du Nil sera prête à temps. Oh ! Oh ! Rauser, réveille-toi ! Tu vois, Papyrus ? C'était bien le sycomore sacré de Nout. Eh bien, Papyrus, presse-toi un peu. On a du chemin à faire jusqu'aux étoiles. Notre tâche est accomplie, ô grande prêtresse d'Isis. Très bien, Nofré. À présent, je dois rester seule. Ô Isis, mère de l'Égypte, maîtresse de la vie et du destin, fais qu'Api, le dieu du Nil, accueille avec joie sa fiancée et accorde les faveurs de la crue aux Égyptiens. Princesse Teti. Par Isis, qui est là? Qui ose? Où es-tu? Mais ici, princesse. Ah! Aide-moi. Tu es sûr que tu ne veux pas que je porte ton sac, Rauser? Je préfère ne pas me séparer de mes tablettes astronomiques. D'ailleurs, c'est maintenant qu'on va en avoir besoin. Par Horus ? Nous n'y sommes pas encore. Rauser ! Tiens bon, Rauser ! Papyrus,
Je n'ai pas la force. Hauser! Non! Tout va bien, Papyrus. Continue sans moi. Mais... Je t'en prie, ta mission est trop importante. Suis la branche vers le ciel. Suis-la sans t'arrêter et aie confiance en Nout. Elle te montrera le chemin des étoiles. Princesse Téti ? Princesse Téti ! Ô grand vizir, devons-nous vraiment attendre la princesse ? Non, le temps presse, la princesse nous rejoindra. Les étoiles sont encore loin et je ne vois pas comment continuer. Suis la branche vers le ciel, suis-la sans t'arrêter et aie confiance en Nout. Par Horus. Petit pêcheur. À présent, Papyrus, tu peux chercher la constellation de l'homme au bras tendu. On l'a cherché dans tout le palais, Seigneur. La princesse Téti a disparu. Ma fille, qu'est-ce que ça veut dire? Mais nous ne pouvons plus attendre. Le soleil se lève et les Thébains sont impatients. Nous devons procéder à la cérémonie. Moi, Merenre, seigneur des deux terres, je me fais la voix et le bras du peuple d'Égypte. Ô Hapi, dieu du Nil, sois prêt à recevoir ta fiancée. De force et de magie, manifeste ta puissance. Sept. Par tous les dieux, c'est ma fille Téti. Vite, qu'on la secoue. Dieux, Isis, mère de l'Égypte, aurais-tu abandonné ta prêtresse, ma fille? Je t'en conjure, sauve-la! Par tous les démons de Seth. Oh, le silure! Le poisson sacré des dieux, Isis t'a entendu, Seigneur. Ô Seth, donne-moi la force d'aller au bout de ma mission. Là, c'est l'homme au bras tendu. Va, Papyrus, va vers lui. Lui seul peut t'aider à retrouver Sotis. Papyrus! Quel est ce misérable mortel qui vient troubler la sérénité des étoiles? Eh bien, je suis Papyrus et je suis venu délivrer Sotis. Prisonnière des forces de Seth. Dis-moi donc, que puis-je faire pour toi, téméraire petit homme? Je dois retrouver l'endroit où Sotis est prisonnière. Hé, tu ne manques vraiment pas de courage. Eh bien, soit, mais j'espère que tu sais ce qui t'attend.
Je t'ai perdu. Le silure sacré. Qu'est-ce que ça veut dire? Teddy. Roser? Teddy, comment est-ce possible? J'ai été piégée par un possédé de Seth. Oh. Après, je ne me souviens plus. Mais où est Papyrus? Hélas, Teddy, notre petit pêcheur est loin. Trop loin pour que mon esprit puisse l'atteindre. Unissons nos forces, Rauser. À nous deux, nous devons réussir à le retrouver, aussi loin soit-il. La porte d'Ombos. Cette porte que je cherche depuis si longtemps. Cette porte derrière laquelle Sotis est prisonnière et aussi Horus, le dieu faucon. Oh, Nebu, j'en appelle à ta puissance! Ô Seth, maître d'Ombos, voici venu le moment d'en finir avec ce misérable mortel que les dieux ont choisi pour te combattre. Papyrus! C'est fini. Le dieu d'Ombos a été le plus fort. Non, Rauser, je sauverai Papyrus. J'irai jusqu'à Ombos et je le sauverai. Même si je dois échanger ma vie contre la sienne. Hélas, je crains qu'il ne soit trop tard, princesse. Et tu es l'héritière de Pharaon. Ton devoir t'interdit de te sacrifier par désespoir. Tu as cru m'échapper, fille de Merenré. Toi encore? Mais comment? Arrière, possédé de Seth, ô Nout, laisseras-tu les forces du dieu d'Ombos profaner ton domaine sacré? Par Seth! Non! Les forces de Nout sont avec nous! Retourne à Ombos! Envoyé de Seth, retourne à Ombos! Ombos? Si je pouvais. Teddy! Non! Teddy, vois, Seth, le glaive d'Horus, ce glaive qui t'a tant de fois combattu. Désormais, il est à toi. La fille de Merenré ici? Qu'as-tu fait de Papyrus, serviteur maléfique de Seth? Non, Azal, laisse-nous. Car entre toi et moi, c'est une vieille histoire, n'est-ce pas, princesse? Et je ne laisserai à personne le plaisir d'en finir avec toi. Tu reconnais ce glaive sans doute? Le glaive d'Horus? Mais qu'en feras-tu, Aker? Rappelle-toi que seul un cœur pur peut s'en servir impunément. Ce glaive n'est plus le glaive d'Horus, petite princesse. C'est désormais le glaive de Seth. Et c'est par lui que tu vas périr. Isis! Oui, Aker. Et je ne te laisserai pas profaner le glaive d'Horus. Tremble, Seth! Et que s'éteigne le feu de ton pouvoir maléfique! Non! Par tous les démons d'Ombos! Croyez avoir anéanti le feu de Seth? Vois, Aker, l'heure de la libération d'Horus est venue! Non, princesse d'Égypte, le temps de ma libération n'est pas encore venu. Pour le moment, d'autres ont besoin de toi.
Écoute le dieu Faucon, Teddy. Il t'a ouvert le chemin. Saute et libère Sotis et Papyrus. Papyrus. Feu de Set, anéantis la fille de Merenre. Et bientôt, toi et Sotis serez libérés. Non, ne t'occupe pas de moi, Teddy. Horus est prisonnier quelque part dans ce monde maléfique. Cherche-le et libère-le. Alors c'est toute l'Égypte qui sera sauvée. Non, Papyrus. Le temps n'est pas encore venu. Le dieu Faucon me l'a dit. Qu'Isis me donne la force. Tu m'as sauvée. Oh, par Isis, je ne pouvais pas laisser mon petit pêcheur perdu dans les étoiles. Soyez à jamais remerciés de m'avoir libéré, Papyrus et Teddy. Mais maintenant, il est temps de quitter ce monde maléfique. Les Égyptiens m'attendent, et vous aussi. Enfin, vous êtes sain et sauf. Regarde, Rauser. Sotis est revenu. Vous avez sauvé l'Égypte. La crue. Papyrus, c'est la crue. J'ai hâte de revoir mon père. Il doit être si inquiet. Rauser, crois-tu vraiment que j'arriverai un jour à remplir ma mission et à délivrer Horus? Une fois encore, nous avons échoué. Dis-toi bien ceci, Papyrus. Chacune des victoires que tu remportes prépare un peu plus la libération finale du dieu Faucon, et elle viendra, sois-en sûr. Mais hélas, il est vrai que Seth est un dieu puissant, aussi puissant que le mal dans le cœur des humains. C'est pourquoi le vaincre est si difficile.